Shalom, shalom, bien-aimés, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Vous êtes sans doute dans les préparatifs de Noël, parce que plus que quelques jours avant Noël, n'est-ce pas? Partout où vous allez, les gens sont dans les préparatifs de Noël. L'arbre de Noël, les guirlandes, les chants de Noël, les cadeaux de Noël, les habits et bien d'autres. Tout un chacun veut être prêt pour ce grand jour où nous célébrons la naissance de notre Sauveur et Seigneur. Jésus-Christ, la joie, la paix, l'allégresse, la danse sont au rendez-vous. Pendant que nous nous préparons en famille, avec des amis, des collègues, des voisins, à célébrer que la joie du Seigneur nous envahisse. Et n'oublions pas ce qui se cache derrière cette saison. Ne manquons pas à l'événement principal. L'événement principal de Noël, c'est Jésus et son cadeau, c'est le salut. Oui, l'événement principal de Noël, c'est Jésus. Et son cadeau, c'est le salut. En Jean 3, 16, la Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, bien-aimés, comme Dieu nous a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés, partageons Jésus autour de nous, partageons l'Évangile autour de nous pendant que nous célébrons, afin que plusieurs soient sauvés. N'oublions pas, l'événement principal de Noël, c'est Jésus et son cadeau, c'est le salut. Joyeux Noël à tous et que Christ soit vrai dans nos vies au nom de Jésus.